tout bail ça toujours à fait. Bandi toujours à fait et puis force étrangère a toujours à venir mettre là. Mais même puis nous sans ça sont sans hypocrisie. Parce que nous avons des années en bas tutelle blanc, en bas tutelle la France, Canada, l'Amérique. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est nous dirigeants nous qui pas bon ou bien c'est monde nous pas gagné qui fait nous même nous pas ca gérer tête nous pour à tête nous ça fait nous pas ca gérer tête nous nous-mêmes est-ce que nous même nous pas gagné monde important dans pays là bon et sécurité à lui-même à faire gang dans lui-même et même yo même dans qui fait c'est Canada qui fait c'est la France qui fait c'est aux États-Unis qui fait c'est ça fait du c'est même yo même dans qui fait parce que nous pas fait balle, nous pas fait âme. Ça nous fait ah, yon pas même produit. Nous pouvons pas même bah nous force pour nous ta produit bah ça yon pour nous ta vendre yon. Non, c'est pas ça réglé. Ces âmes c'est balle yon bah nous. Mais et puis c'est même encore quand vient mettre la paix. Pendant c'est la caillou yon balle là avec âme dans sorti. Moi me t'en aimé pour dernière année ça 2023 ça. Moi t'en aimé pour yon ta venir dans pays ya. Pour faire zam na faire balle là pas répéter pour bandien pas répéter encore parce que c'est pas aller tourner aller venir mettre la paix aller venir mettre la paix et puis pas jamais gon changement pas jamais gon résultat qui baille mais est-ce que la France avec Canada ou bien aux États-Unis ou bien dirigeant nous qui n'a menti parce que pas jamais gon la paix qui fait est-ce que c'est là dans yo même yo joine intérêt yo est-ce que c'est dans ça tout dirigeant nous yo joine intérêt yo qui fait bagay sa baka jom jwenn yon résultat. Comment fait li baka jwenn yon résultat? C'est blanc qui toujours a vin meton la paix dans ça. Ça fait ça. Nous connaît hier tout gagné pays Canada et qui prend sanction contre deux et ministre dans gouvernement Ariel Henry qui c'est Bernard Dossier avec ancien ministre intérieur Litz Kitel. Comment comprendre ça? Pour trafic sam ak bal. Bon, comment comprendre ça? Je me comprends rien, c'est toujours même yo même encore. C'est toujours même blanc encore. Quand manifeste toute bagaille ça yo. Parce que c'est blanc ba nous qui ba nous monde. C'est pas nous qui mettez monde. C'est blanc qui ba nous monde parce que blanc t'étendé Ariel Henry lui-même. T'es dans problème ensemble avec dans Zack président qui t'est mouri à attend ça li ba nous Ariel Henry. Ministre qui tel, il était de tout ça, ministre qui tel te fait dans bagay pastel, dans enlevé pastel, dans bagay kidnapping. Ministre qui tel te toujours là. Blanc moi sou bagay ti moun piti la avec ensemble avec peuple là. Ça on bagay ti moun piti. Sanctionné. Pour que ça ni pas les sous pouvoir, pas descendre al prend yo. C'est les mandat yo fini et les salab di la sanctionné. Pour que ça pendant yo tel sous mandat yo, c'est al prend yo pendant yo sous mandat yo, c'est al prend pas les mandat fini. Pour dire ça, pour dire pour ça, yo, pour sanctionner, ou vin tant pour coupable. Parce que moi, c'est nous-mêmes qui gagne grande technologie. Parce que haïtien par yo, même gens ensemble avec nous, parce que c'est nous-mêmes qui en l'est. Parce que Digicel lui-même, Jean là, l'homme met ton petit papa d'ap. Lui, tu vas finir, lui fait un plan pour minuit. Pas de minuit vrai. Après, c'est nous-mêmes qui, ouais. Si nous avons sanctionné, c'est un coup nous-mêmes. Nous venons complices. Parce que ce n'est pas sanctionné. C'est marré mounio pour mounio juger. Et puis pour mounio aller en prison. Ça pour yon faire, pour yon faire. L'homme dit sanctionné. Qui ça? Parce que c'est nous-mêmes qui baillons aux balles. C'est nous-mêmes qui baillons aux âmes. Chaque fois qu'on a une élection, c'est nous-mêmes qui faisons. C'est blanc qui fait. Chaque fois qu'on a une élection, qui ont en paix âme. Gravine. Yo qui t'es en pesam, si t'es soleil, yo qui t'es en pesam, la saline, yo qui t'es en tout côté. C'est eux même qui fait bagaille là encore, c'est eux même c'est blanc. Et blanc lui même ça le fait, il matérialise des pensées. Après dit dirigeant ici yo même yo pas goumé pour peuple. Yo goumé pour intérêt yo, pour yo bien dormir, pour yo vivre bien, en pour yo gen belle machine, pour yo gen belle caille. C'est ça parce que c'est blanc qui fait toute bagaille. Blanc pas cap dire rien parce que c'est lui même qui fait toute bagaille. Parce que c'est zam là. Balle là, c'est la caille qui sorti. Pour qu'il s'allie à rentrer, il va inspecter tout le bagage. Pour qu'il s'allie à arriver, c'est là ça, il a dit que c'est la caille blanche qui sorti. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne faisons pas balle, nous ne faisons pas zam. Quand il est sorti, est-ce que ce n'est pas la caille blanche qui sorti? Est-ce que blanc lui-même n'a pas de contrôle, il a fini lui-même?
Il n'y a pas contrôle douane, il n'y a pas de monde qui a contrôle douane, non. Mais on sait rien dans le pays. Mais quand il y a là, c'est père qui a baillé. Vous voyez, c'est père qui a baillé, c'est père qui a cherché, qui vient à décontrer les âmes, qui va venir avec ses six âmes dans le pays. Pour ça, il y a un don pays là, mes amis. Tout prend ça. Mardi 20 décembre 2022, conférence pour la presse. Génération Colibri, ça vient la presse parler, écrite, télévisée, avec les médias en ligne, qui accepter faire déplacement, venir couvrir tout notre événement après la présidence. Génération Colibri, j'ai une grosse tête chargée face à la dégradation des conditions de la vie des garçons. Il a gagné dans le petit Missangador devant chômage, kidnapping, assassinat, vol, viol et la terreur. Phénomène incroyable et inacceptable, ça y est. Pas suspendre mettre de l'eau dans la web parents, famille, amis et sympathisants citoyens, irresponsables et puis engagés dans la construction de Haïti pour que tout le monde capable de vivre dans le monde. Ça veut dire Jean-Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, il veut ça. Génération Colibri profite pour condamner à toute force. Attitude, autorité, pas bon ici, continuer à toucher l'argent taxe avec inconnu, mais qui décide de faire manger sous mauvais traitement migrants haïtiens absibis dans tel étranger, particulièrement dans pays voisin qui est donc Saint-Domingue. Côté d'après coup, qui a appuyé rapatrié avec réfugié gars, dans un rapport au mettez dehors dans la journée internationale migratoire dimanche 18 décembre sur passé, fait qu'on est pour l'année 2022 à 5 ans. Pays dominicain qui est en plus de ballon, plus passé 100 000 freins accès. Ça qui est grave là, en plus de nous, si bizak vol, viol, et l'autre mauvais acte, si tout femme active. Génération Colibri condamné tout. Indifférence autorité face à pile citoyen qui passe toute vie dans le travail ici, en pile fois, dans le travail toute qualité, pour yon construire ou bien payer caille, ou petit morceau dormi, qui oblige quitter caille, je ne j'ai dit, ou album soit caille famille, ou bien nos amis. Ou bien sous place biblée dans le 21e siècle à cause d'un examen qui a taillé banda et puis qui a pris un territoire chaque jour de plus. Sans oublier, ville provinciale, nous presque pas qu'à fréquenter dans conditions normales à cause même phénomène si là. En plus, problème gaz là qui va résoudre malgré au défaut de quoi depuis le monté la disponible dans tout le pompio. Constat clair, après quelques semaines, question gaz en jaune, bataille en bas pompe, machine, moto dans l'île, petit gaz, retourner pirette. Grave crise sociale, économique, politique et climatique ça, qui casse la société et puis mettez plate à tête toute institution qui l'a pour mettre le pays sur route progrès et développement durable, mélangé avec l'autre encore, traîner 4,7 millions de frais d'accès dans l'insécurité alimentaire, malgré toute potentialité agricole et touristique pays à gagner, qui te doit permettre de rester tchougan dans la humanité. J'ai prêté quoi? Situation malouque ça, n'a pas vu jouer aujourd'hui. Jouer une racine l'inan, premièrement. Incompétence et manque de volonté accélérée, c'est une décision politique qui arrive dans tête pays. Deux, j'y répète, yin yang qui existait dans la classe politique haïtienne, qui joue pour lier, pas montrer aucune volonté et capacité pour résoudre la crise là, qui doit dire et puis mettre le pays sur rail. Dans ce sens, ça, Génération Colibri aurait toute alternative, main en main. Visé, mettez tout petit pays à chita sur même table pour discuter sur conditions de la vie génération qui l'a eu, axi la cap fini. Génération Colibri, mandé pressé pressé, un consensus national citoyen qui doit déboucher sur un accord politique inclusif, consensuel avant deuxième lundi janvier 2023, cap marqué fin mandat dernier tiers sénat. De quoi pour éviter. Les Kachouboumbe, ou été peuple haïtien dans conditions misérables, ça, et puis mettez-le, reprendre l'idée, accueillir-le comme peuple qui te casse la chaîne de l'esclavage, prendre liberté dans mes puissances colonialistes. Ce n'est pas normal, ou après plus, passer 200 années, et puis Haïti prend droit à grand être majeur, pour autorité l'État qui a dirigé le pays sous l'ordre puissance coloniale. Modèle l'État, recasser ça. Pas pour carrer des pays à reprendre l'esclavage de si nous ne pouvons pas vous mettre pour nous renforcer. J'ai parlé pour Chita parler à tout secteur dans la vie nationale là qui n'a pas mené, qui n'a pas mené, qui n'a pas mené au trempé, ou du moins qui n'a pas impliqué dans ça la vivre là depuis ce que nous défendons et de rêver. On a encouragé tout acteur
pour ne pas oublier de défendre la catégorie plus vulnérable, tant pour les femmes, les grands mondes, les mounes, les mounes qui sont handicapés. Nous avons Haïti, nous sommes pour libre. Merci. Jackson Louis Sogade, secrétaire général, Génération Colibri. Colibri, c'est un nouveau citoyen qui a travaillé pour l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes conséquentes, a insisté sur le fait que depuis environ 2 ans, il y a une situation intenable d'insécurité qui a brassé une nation. Longtemps, il y a une zone de non-droit, 2 zones de non-droit. On a fait tout le pays qui est transformé en zone de non-droit. Et la sécurité, c'est le premier des biens publics, comme disait l'ancien président d'Haïti. Pour cela, nous exhortons, nous exigeons, nous recommandons le gouvernement, ça, la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, que rapide au presto, nous mettons un plan de sécurité sous pied. Le peuple n'a pas qu'à attendre encore. Quand pile diaspora est venu passer fait une année avec la famille, et là, on vient passer 2-3 jours avec la famille d'Haïti, ils ont porté des vises pour l'économie. Quand plus de monde qui t'a remis à l'ancienne ambiance fête de fin d'année. Mais la situation intenable, ça ne permet pas ça. Pas qu'attendre rapide, que les forces légales capables de mettre les moyens disponibles pour que nous plan de sécurité, pour que nous partions avec les hommes de nos droits encore. En Haïti, parce que c'est une violation flagrante de droit à la libre circulation de chaque Haïtien dans le pays. Nous avons des ambassades qui ont planifié, qui ont déjà décidé que une nouvelle force d'occupation militaire qui vient occuper le pays. Nous, comme patriotes, comme citoyens conséquents, Génération Colibri dit non, il est ce qu'il en faut contre toute force d'occupation. Mais là, dans l'histoire, nous, par aucune force d'occupation, quel que soit nom que le porté, quel que soit rubrique que le vini, quel que soit résolution que le vini, qui j'en porté en rien pour pays. Pour cela, nous disons à toute force d'occupation de territoire, papa de Sabito. Mais, nous par contre, il y a une force technique qui a bien des étrangers, dans le cadre d'un accord bilatéral ou encore multilatéral, parce que Haïti, les Nations Unies, Haïti c'est membre fondateur des Nations Unies, Haïti dans l'Orient et d'autres organisations encore, ils ont toujours venu en support, puisque nous avons une situation qui dépassait, d'accord, ils ont toujours venu en support technique pour porter mes forces à la police nationale d'Haïti et à l'armée d'Haïti. Pour finir, nous avons insisté encore sur le fait que deuxième lundi de janvier 2023, reste à Sénat pour aller. Et les salles nous pas bien autorité élue encore. Et pays a tombé dans le cas, jamais, pour pas dire l'histoire. Pour cela, nous recommandons pour que nous chitamale, un dialogue franc, en toute force vive nation. Et nous, Génération Colibri, nous prêts. Pour que nous venions à sous table ça, table dialogue là, vrai dialogue là pour Haïti, pour que nous puissions joindre au modus operandi, au point de sortie, de telle sorte que nous capables créer une situation pour que un, tout Haïti qui a circulé libre, pour vivre qui a connecté avec la capitale là. Deux, pour que nous avons une situation d'atmosphère sécuritaire qui permette que l'élection soit organisée et pourquoi pas. À la fin de l'année, nous avons un gouvernement ou administration qui est élu avec un président, avec des sénateurs, députés, des magistrats, toute collectivité capable, le Sénat capable de prendre vraiment chemin de développement. Voilà notre position. Merci. Nous-mêmes dans la Génération Colibri, nous avons gardé ce qui a passé dans le pays. Sur le plan éducatif, vous voyez que l'éducation dans tout pays, c'est le même qui moteur en société. Quel que soit ça qu'on est capable de devenir, ce n'est pas l'éducation. L'engagement de l'école de l'éducation en bas de temps,
par rapport avec un pile cri qui gagne dans la société là que des parents pas qu'à retirer carnet ti monde en dans l'école yo connaît que directeur l'école yo si nous l'école privée yo pas qu'à payer espace pour avoir accueilli ti monde yo donc des professeurs qui sont depuis mois de juillet qui en vacances et bien après toute crise ça yo et l'état de obligé de payer l'école pour 3 octobre et 3 octobre qui ça qui ministre prend dans le conseil des ministres c'est il prend une résolution pour des gaz dans les parents élèves et là nous garder majorité élèves c'est camionnette qui prend c'est taxi moto qui monte et puis jodi a gaz va monter dans les yo jodi a nous qui ça qui bail et ministre encore il va de quoi bagarre vous dit pas de l'école ti pas n'a pas demandé à ministre Simaniga est-ce que l'école ti pas ti pas pour catégorie de monde que nous garder que monde qui dans zone de non droit yo monde la sali monde soleil monde belle monde quand vous faites avoir monde quoi de bouquet je dis là est-ce que l'école pas pour yo et ministre Simaniga et tout gouvernement ça qui là c'est pas l'école qui est passée, il y a une importance de l'école de rien. Et nous, aujourd'hui, là, comment que les gars traînent le système éducatif de moi. Nous-mêmes, dans la génération Colibri, nous avons demandé à Nesmi Maniga pour que nous prenions des mesures pour tout le monde proche de l'école en mois de janvier. Parce que Nesmi rend compte que l'école ne va jamais l'ouvrir le 3 octobre. Il rend compte que l'école ne va jamais l'ouvrir en mois de novembre. Il rend compte que l'école. C'est en décembre de novembre, selon le calendrier, qui est le premier contrôle là, c'est en mois de février qui est. Et nous-mêmes, dans la génération Colibri, nous avons demandé à Nesmi Maniga, si le département des mesures et le gouvernement doit prendre des mesures, même si j'ai couru derrière tout le passé, et bien nous-mêmes, dans la génération Colibri, nous avons accompagné les parents, les directeurs de l'école, les professeurs, pour que nous nous les chalbarrés, malgré un gouvernement de facto, un gouvernement illégitime. Eh bien, nous-mêmes dans la génération Colibri, qui connaît qui ça l'école guérien, comme importance de l'école guérien dans la société, eh bien, nous-mêmes nous avons demandé pour que l'État ça nous gagne, l'État ça qui va avoir éducation importance, l'État ça qui crase tout système éducatif là, et pour que nous prenions des mesures de maintenant et pour l'école ouvrir.